C'est vrai que lorsque nous nous retrouvons au quotidien, de temps en temps, j'ai envie de chanter, figurez-vous. Hein? Alors, mais non, pas une chanson. Non, mais attendez, vous ne savez même pas comment je chante. Vous voulez une chanson? Ah mais non, mais si ça se trouve, vous savez pas, je chante peut-être faux. Ah non, comment vous êtes, hein, quand même. Non. Première marche. Vous êtes fous. Vous êtes prêts à tenter votre chance? Vous êtes prêts à jouer le tout pour le tout? Alors, destination Monaco. Pour avoir la foi, il faut être charbonnier. Pour être mal chaussé, il faut être cordonnier. Pour séduire la foule, pour chanter la pêche au mouille. Pour pas payer la peau, il faut être... Et si t'as un ami, soit il m'a les vacances, pour souffrir en silence. Ça sert à quoi de vouloir quitter la France? Attendez, allez! Bonjour mademoiselle, vous allez bien? Ça va? Vous dansez aussi? Avec plaisir. Alors plus tard, hein, parce que là on a une émission à faire. Tous à vos télécommandes, car la première question de sélection nous amène destination Monte-Carlo. Quel âge a la ville de Monte-Carlo? C'est la première question. Bonjour à vous tous. Et bonjour à Baritono tous. Vous allez bien, Baritono tous? Oui, Jean-Lucas. Alors, qui appelons-nous? C'est la première question que je vous pousse. C'est Janine Magnez. Janine! Mais super, Janine! Comment ça va? Et alors Janine, vous venez d'où, Janine? De l'Haye-les-Roses. De l'Haye-les-Roses. Mais est-ce que vous savez qu'en verlan, Janine, ça fait un ninja? Oui, je sais. Super ninja sur la deuxième marche, vous avez répondu combien? 140, je crois. 140 est la réponse, et 135. Super Janine. Merci à vous d'être venu parmi nous. Et la deuxième question est une question botanique. Question intéressante sur les tournesols. Combien y a-t-il d'espèces de tournesols différentes? Combien d'espèces de tournesols? Espèces de tournesol. On peut peut-être parler du tournesol, non, Baryton? Oui, on cultive surtout l'Helianthus anus, ou grand soleil. L'Helianthus? Anus. 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 Double U. Anous. Et anous, double ouche. Et qui appelons nos ouches? Nous appelons Nadège Daufrenne. Nadège Daufrenne. Oh frère. Bonjour. Ça va? Ça va. Et vous avez répondu combien, Nadège? Je ne sais plus. Vous ne savez plus comment ça? 66. Vous avez répondu 66. Et la bonne réponse est 67. Bravo, Nadège. Merci à vous. Charmante Nadège. Très joli sourire. On va passer une bonne demi-heure de bonne humeur. Et en parlant de bonne humeur, est-ce que ma bande de gauche connaît Harry Potter? Oui. Vous connaissez Harry Potter obligatoirement, on s'est fait de fin d'année. Eh bien, moi, je vais vous présenter Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Tom Sawyer, tiens. Tom Sawyer, écrit bien sûr par l'ami Mark Twain, mais justement, en quelle année furent écrites les aventures de Tom Sawyer? Tous et toutes à vos télécommandes, car vous vous auto-sélectionnez. Il suffit d'avoir la bonne réponse ou être le plus proche de la réponse. Nous appelons qui, Baryton? Mr. Toupil! Ah, this is the first Toupil of the matinée. Et nous appelons... And Mr. Toupil is Jean-Claude Martiens. Jean-Claude. Ça va, Jean-Claude? Salut, Jean-Luc. Et comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien? Je suis satisfait, je suis très content. Très content. Voilà. Eh bien, écoutez, vous venez d'où, vous, Jean-Claude? La région d'Orléans. La région d'Orléans. Voilà, vous étiez au courant des aventures de Tom Sawyer? Tout à fait. Un coup de chance. Tout à fait un coup de chance. Voilà. Et le coup de chance fait bien les choses. 1876. Voilà, un tout pile. Un tout pile. Alors tout pile en note tout pile. Dans une des deux enveloppes, vous le savez, il y a un beau cadeau. Dans l'autre enveloppe, il y a un cadeau rigolo. Grâce à TéléZ, vous jouez certes pour vous, qui vous offre le cadeau, ils sont quand même sympas quand même. Hein, et vous jouez en plus pour un téléspectateur qui est... Julien Herring à Marseille, dans les Bouches du Rhône. Bonjour Marseille, bonjour Julien qui a renvoyé son petit... Moi je suis originaire de Toulon. Ah, vous êtes originaire de Toulon? Donc Marseille, c'est à côté. Eh bien écoutez, vous jouez pour une Marseillaise, ami toulonnais. Voilà, c'est très bien. Dans une des deux enveloppes, il y a une machine expresso. Bon cadeau. Alors soit la machine expresso, soit la boîte de Fayot. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour rigoler. Tout à fait. Eh bien voilà, plutôt bleu ou plutôt rose? Bleu. Bleu sûr, hein? Ah ouais, bleu, eh, bleu c'est sûr. Regardez, dans la bleue, il y a... Oui, espresso. Oui. Regardez. Effectivement, vous aurez un match de poteau grâce à votre nouvelle machine expresso, illico presto. Roi du café, vous l'avez épaté, vous nous avez épaté. Ça va? Merci, ça va très bien. Et jusque-là, ça se passe bien. Tout à fait. Eh bien, super. Merci. Merci à vous, il est joyeux, il est heureux. Et je rappelle à nos téléspectateurs qui veulent participer au Autopile que vous découpez dans TéléZ le petit bulletin ou sur papier libre. Et l'adresse, eh bien c'est celle-ci, un timbre, et hop, vous gagnez pourquoi pas une belle machine expresso. Attention, dernière question de sélection. Pour avoir une chance de rejoindre nos amis sur la deuxième marche, la question dans la série, c'est pas la taille qui compte. Quelle était en centimètres la taille de Goliath, le géant abattu par David? Je dis bien en centimètres la taille de Goliath. On connaît l'histoire de David et Goliath, n'est-ce pas, Baryton, David et Goliath? David tua Goliath, bah oui. Une pierre avec sa fronde au milieu du front, et Goliath était un Philistin. Et David, à la suite, devint roi des Hébreux. Roi des Hébreux. Qui va être le roi ou la reine de la deuxième marche? Céline Lerpinière. Céline Lerpinière. Bonjour Céline. Vous allez bien? Je me permets, on s'embrasse. Hein? Ça va? Ouais. Vous avez répondu combien, Céline? 254. Et c'était 297 cm. Vous êtes la dernière sélectionnée. Bienvenue donc sur cette deuxième marche. Nous avons nos 4 invités. Nous pouvons donc commencer. Allons bien sûr faire connaissance avec nos invités. Céline, dans la vie, que faites-vous de beau? Sans profession. Sans profession. Vous recherchez une profession? Oui, pourquoi pas vendeuse. Vous recherchez donc... D'accord. Je recherche dans la vente, oui. Dans la vente. Eh bien, écoutez, on va essayer de vous faire gagner 100 000 francs. Ça vous va vous aider dans la vie. Merci. Jean-Claude, dans la vie? Je suis retraité. Oh, je suis retraité. Avec 3 magnifiques filles qui sont là. Ouais. On vient en famille. Attention à la marche. C'est sympa d'être venu avec vos 3 filles. Nadège, dans la vie? Je suis technicienne de laboratoire. En labo? Oui. Ok, en labo, très bien. Bonjour à vous, Nadège. Et quant à vous, Janine? Factrice. Vous êtes factrice? Oui. En vélo? Oui, oui. Factrice tout de même. En vélo? Oh, bah alors, s'il vous plaît. Alors, on va poser la première question avec les potes qui arrivent. Les potes sont là. Première question. Vous êtes mariés, non? Non. Question. Vous êtes fiancés, Céline? Sur 100 couples français, combien se marient sans avoir vécu ensemble avant? Sur 100 couples français, combien se marient? Céline, vous êtes fiancée? Ouais. Ouais. Il est là? Oui. Il est là? Ouais. Il est où? Il est où le fiancé? Là. Ah, il s'appelle comment le fiancé? Julien. Ça va? Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oui, 2 ans. 2 ans? Ouais. Qu'est-ce que vous avez répondu, Céline? Voilà, je me suis trompée un peu dans les boutons. Vous avez répondu combien? Bah, je voulais mettre 26, mais... Et vous avez mis combien? Ça n'a pas marché le 2. Vous n'avez pas marqué? Ben, on va mettre 26, vous inquiétez pas, c'est le premier, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Il y a une petite hésitation, c'est normal. Petite appréhension, donc 26, à votre avis, se marient sans avoir vécu. Vous vivez avec votre... Non, pas encore. D'accord. Jean-Claude. Je pense avoir mis un peu trop. Ah, dans la région de Toulon, vous avez mis combien? 15, il me semble. Hein. 15 Il vous semble un peu trop? Oui. Ah oui? Vous croyez qu'il y en a moins? Oui, je pense, oui. Qui se marient sans avoir vécu avant? Oui, un peu moins peut-être. Un peu moins peut-être? Peut-être, oui. Peut-être. On verra. Vous-même, vous vous êtes marié... Ça a été très vite. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Pas le coup de foudre, ouais. Mais en 1 an et demi de temps. En 1 an et demi de temps? Voilà. Voilà. Ça a été assez vite. Ça a été assez vite. Voilà. Vous avez 3 filles depuis? J'ai 3 filles et 7 petits-enfants. Heureux grand-père. 15 donc sur 100. Nadège, vous-même, vous avez répondu combien? 25. 25. Et vous avez un fiancé? Oui. Il est là? Non. Ah. Il est au labo? Non. Il travaille? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Informaticien. Ah, informaticien. Bien. Quant à vous, Janine? 15. 15. Ça vous semble... Vous, vous êtes déjà mariée, Janine? Non, divorcée. Divorcée? Oui. Donc ça s'est pas bien passé? Bah non. Bah non. Bah ça, c'est obligatoire. Et la réponse est, ami de l'ordinateur, 24. Bravo à Nadège qui est la plus proche de la réponse. Excellente réponse. Les plus éloignés, malheureusement, sont au nombre de 2. Janine et Jean-Claude vont perdre tous 2 un pote. Je sais, Janine, vous perdez un petit zizi pote. Ah oui. Deuxième question. Vous sortez en discothèque, Céline, de temps en temps? Ouais. Ouais. Vous, Jean-Claude, vous sortez en discothèque de temps en temps? Non? Moins, de moins en moins. De moins en moins. La question au niveau des discothèques est la suivante. Quel est en francs le budget moyen par personne pour une soirée en boîte de nuit? Un budget, une soirée en boîte de nuit, ça coûte combien? En fait, en francs? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Claude? 350. 350? Ça paraît raisonnable. Francs? Oui. C'est ce qu'on a mis? On l'a mis, oui. Nadège? 250. 250 par personne pour une soirée, en discothèque. Janine? 200. 200. Ah, le public frémit. Céline? J'ai mis 250. Vous avez mis 250 francs. Il me semble que c'est un peu élevé tout ça, non? 150 francs. Eh oui, 150 francs seulement, attendez. Ça faisait quand même un petit peu beaucoup. Jean-Claude, 350 francs. Je suis un petit peu confus. Jean-Claude, vous allez perdre un pote. Et malheureusement, c'est le 2e que vous perdez en très peu de temps. Je suis désolé, Jean-Claude. C'est ainsi que va le jeu. C'est le jeu. Jean-Claude, merci de votre sourire. Merci. Merci. Attendez, on va vous offrir quand même un cadeau. Regardez-le, un joli appareil photo. À peine vous aurez cliqué. Et bien voilà la photo qui va arriver. C'est rapide et c'est instantané. Merci Jean-Claude, heureux grand-père d'être venu. Et si vous y allez, le bonjour à Toulon. Je n'y manquerai pas. Au revoir, merci Jean-Claude, au revoir. Mesdames, il n'y avait qu'un seul homme et voilà, il est parti. Alors là, vraiment, je ne vous félicite pas. Un petit peu de gourmandise, Janine, quand même? Un petit peu beaucoup. Hein? Quel genre de gourmandise, Janine? Les gâteaux. Voilà. Tout ça, gourmandise, Nadège à côté? Oui. Quel genre de gourmandise? Les muffins au chocolat. Les muffins au chocolat. Ouais. Et vous, Céline? Beaucoup, beaucoup, beaucoup le chocolat. La question nous dit en moyenne combien de kilogrammes de yaourt consomme un Français en une année? Combien de kilos de yaourt consomme un Français en moyenne? En une année. Et Nadège, amoureuse du muffin, vous avez répondu 10. 10 kilos de yaourt. Janine? 10. 10 kilos de yaourt. Céline? Un peu beaucoup, hein. 210. À 210 kilos de yaourt, ouais. Alors vous, vous... J'ai une expression qui dit pédaler dans le yaourt, mais à propos... 210 kg de yaourt. C'est pas beaucoup, hein. 700-800 grammes par jour, ça. 800 grammes de yaourt par jour, c'est... Ça va, Céline? Ouais, c'est bon, le yaourt. Non mais à ce propos, quand même, c'est une grosse dose pour vous, hein. C'est un peu beaucoup, ouais. Céline, 210, une indication, l'ami, non? Le yogourt proviendrait d'une région turque de Bulgarie au temps de Gengis Khan. Et le yaourt contient le fameux Lactobacillicus bulgaricus. D'où le yaourt bulgare. Voilà. En quelque sorte. Céline, avec 210 kilos de yaourt, là, je crois que... Là, c'est pas... La réponse, s'il vous plaît. 19, oui, effectivement, vous êtes bien loin. 19 kilos de yaourt par an, en moyenne. Hein. Ouais. Un pote va partir à la plage, le surf pote que vous aviez, mais vous allez pouvoir vous rattraper parce que c'est la question. Vous faites rougir. Vous connaissez la question in ouais. Et ça vous plaît la question coquine? Oui, apparemment. Nous voyons la vie en rose chaque midi 25. Oh là là, bah, écoutez, monsieur. Alors qu'on se croit un peu sous les tropiques. Là, 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 là. Alors, sur 100 femmes, mesdames, combien êtes-vous à vous laver les dents avant de faire l'amour? Sur 100 femmes, combien êtes-vous à vous laver les dents avant de faire l'amour? Qu'est-ce qu'il y a, Janine? Qu'est-ce qu'il y a, Janine? Ben, je regarde mon beau-frère et ma belle-sœur pour qu'ils me souffrent un petit peu. Ah, d'accord. Votre beau-frère et votre belle-sœur... Attendez, je vais aller les voir une seconde. Ça va, Janine? Oui, oui. Non, attendez. On va se faire souffler par le beau-frère et la belle-sœur. Alors, effectivement, bonjour monsieur, bonjour monsieur beau-frère. Oui. Votre prénom? Michel. Bonjour Michel, ma belle-sœur? Evelyne. Evelyne. Alors, sur 100 françaises, combien se lavent les dents avant de faire l'amour, vous? Pas toujours le temps. Hein. On n'a pas toujours le temps. Bien sûr, bien sûr. C'est tout ma belle-sœur, ça. Et Evelyne, vous diriez... Ça dépend l'endroit. Ça dépend l'endroit. Ah oui. De 5 à 7 au boulot. Là. Ah bah je vous en prie. Mais attendez, ça c'est tout mon beauf, ça, hein, franchement. Bon, écoutez, on va revenir, mais vous auriez dit combien, Evelyne? 50. Ah, ça... Oh, non, ça dépend l'endroit. À 50, ça fait beaucoup, hein, ma belle-sœur. Hein. Vous avez répondu combien, chère Janine? 75. 75? Tiens, dites-nous, Céline, les années ont passé, est-ce que vous voulez laver? Oui, quand même. Avant de faire... Non. Après... Et bien sûr, je tiens à préciser à tous les téléspectateurs qui nous regardent, bon appétit si vous passez à table. Bien sûr, hein. C'est bien, de temps en temps, il y a des trucs qui échappent et... Et ben voilà, et ben celle-là, voilà Céline. Hein. Et Céline, alors, elle nous dit quoi? 12. 12, le 12. Elle se lave les dents, donc, avant. On passe un bon moment, Céline, hein? Oui. Et puis d'un seul coup, on prend des coups de soleil sur le plateau. Nadège, vous, est-ce que vous lavez les dents? Oui, je me lave les dents, oui. Avant? Pas toujours, non. Pas toujours. Et votre réponse? 45. 45. Eh bien, ça va, Nadège? Oui. Bien. On passe un bon moment. Je vous propose de marquer une petite pause, bien sûr, avant la réponse. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, la question posée et juste avant cette petite pause, était... Vous êtes Julien? Oui. D'accord, vous êtes le copain de Céline? Oui. Qui se lave les dents après? Sacré Julien. Zuzu, C'est quoi la question? Vous pouvez la réitérer? Sur 100 femmes, combien? Sur 100 femmes, c'est difficile à dire, hein. Parce que quand on se passe là par les dents avant, après on a des trucs de dents avant, je dis ton plan devant. C'est comme Julien. Concentre-toi, Julien, je t'en prie. Allez. Sur 100 femmes, combien êtes-vous à vous laver les dents avant de faire l'amour? Qu'est-ce que tu aurais répondu, Julien? Ouais, c'est dur, hein. Déjà je suis pas. C'est dur, vous n'êtes pas une femme. C'est vrai, Julien. Déjà. Mais bon, Céline, votre copine, a mis 12. Est-ce que ça vous semble, ça vous semble bien? Bien. D'accord. Et à se laver les dents après, alors? Bah, il faut croire. Il faut croire. Vous, pendant ce temps-là, vous êtes où? Après, vous... En train de manger. En train de manger? C'est une histoire de fou, mais... Qu'est-ce que vous mangez après, vous? Ouais, un peu de tout. Ça vous ouvre l'appétit, vous? Ouais. Ah ouais, d'accord. Vous mangez quoi, plutôt sucré, plutôt salé? Oh, sucré, salé, n'importe. N'importe. Ouais. Et pendant ce temps-là, Céline, elle se lave les dents. Ben voilà. Et ben oui, obligatoirement, c'est ça, quoi. Bon, à tout à l'heure, Julien, et merci de votre sympathie. Alors, Céline a répondu 12 à cette question. Notre amie Nadège, 45. Alors, notre amie Factrice, 75, se lave les dents avant de faire l'amour. Ça va quand même, Janine? Oui, oui. 75, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein, il me semble. Hein. La réponse, s'il vous plaît, est de 20 seulement. Eh bien, c'est Céline la plus proche. Bravo. Excellent. Et malheureusement, c'est Janine qui va perdre son deuxième zizi. Janine, vous n'avez plus de zizi. Non, tant pis. Vous êtes seule dans la vie? Oui. Sans aucun zizi, voilà. Sans rien. C'est... Mais heureusement, vous allez pouvoir vous prendre en photo. Très bien. Regardez, c'est un appareil instantané que nous vous offrons. Il est rapide et il fait rêver. Voici pour vous le même cadeau que Jean-Claude tout à l'heure. Merci. Et j'espère qu'on donnera plein d'étrennes aux facteurs et aux factrices cette année lorsqu'ils viendront nous vendre leur calendrier. Voilà, nous avons beaucoup de respect pour vous. Au revoir, Janine, et bonne fête de fin d'année. Au revoir. Et nous retrouvons deux charmantes femmes, dames, demoiselles, du prénom de Nadège, d'une part, et la célèbre Céline qui se lave les dents pendant que Julien est dans la cuisine sur la troisième marche. Alors Nadège, vous êtes venue avec qui? Nolwenn? Oui. C'est mignon. C'est une amie? Une amie et une collègue. Une amie et collègue. Nolwenn? Nolwenn, c'est breton. C'est breton. Bonjour à la Bretagne et bonjour à Nolwenn. Bonjour, Nolwenn. Bonjour. Et vous, Céline? Alors... Ouais, je suis venue avec mon fiancé, Julien. Et Julien. Ah. Et une amie, Sandra. Et une amie, Sandra. Ça va, Julien, jusque-là, ça se passe bien? Bien. Eh bien, écoutez, on va tenter les 100 000. Qui est-ce qui choisit les vêtements chez vous, Céline? C'est moi, pourquoi? Bah, c'était juste pour savoir. Et les vêtements de Julien? Oh, ça c'est lui. Et un petit peu moi. Et un petit peu moi. Et un petit peu moi. Et vous, Nadège? Oh, c'est chacun pour soi. Ok. Ok, Céline, c'est chacun pour soi à partir de maintenant. Eh bien, dans la mesure où Nadège n'a fait aucune faute et qu'elle avait ses deux potes, c'est donc Céline qui va commencer, puisque Nadège était plus forte, donc c'est à vous de vous lancer la première dans la réponse. Ok? D'accord. Tout étant clair, eh bien, nous allons parler, justement, vêtements. Il y a des oiseaux dans mon quartier, moi je suis déjà à moitié. À me frotter, à me baisser sur... On serait tous oiseaux comme les gars, les oiseaux, c'est quand... Sur 100 hommes, combien sommes-nous à chercher à nous habiller de façon élégante et non comme des oiseaux, donc? Est-ce que Julien, par exemple, cherche à s'habiller de façon élégante? Non. Non, d'accord. Alors, sur 100 hommes, globalement... Vous diriez combien, Céline? 45. 45 cherchent à s'habiller de façon élégante, plus ou moins, Nadège? Je dirais moins. Vous diriez moins. Et la réponse est... Plus, c'est 64 cherchent à s'habiller élégamment. Bravo, Céline! Super. Deuxième question. Combien de papes Céline, concentrez-vous sur cette question. Bonjour à la cloche qui ne cesse de tinter. Combien de papes furent polonais? Polonais, Nadège. Combien? 6 papes polonais. Céline, qui tombe stupéfaite, nous dirait... Moi, je dirais moins. Vous diriez moins. Tout le monde, bien sûr, connaît Jean-Paul. Y en a-t-il d'autres, Barry? Que nenni. Il n'y a que Jean-Paul II. Donc il n'y en a qu'un, c'est moi, Céline, ça marche. Destination art culinaire pour la prochaine question. Destination le champ de riz. C'est le champ du riz filé, riz filé, riz filé. C'est le champ du riz filé, riz filé. Quelle est en millimètres la longueur d'un grain de riz long? Vous savez, en millimètres, Céline. Un grain de riz, ça fait combien en millimètres? 4 millimètres. 4 mm. Céline a dit 4. Nadège. Je dirais plus. Vous diriez plus. Un grain de riz long mesure en moyenne 6 mm, c'est plus. Ah oui, 4. 4, c'est du riz rond carrément, vous voyez. Le riz long, c'est un petit peu plus. Attention, tout cela va très vite. Vous avez peur de quelque chose? Une phobie, insectes, animaux? Les araignées, les insectes, tout ça. Araignées, insectes. Vous, Nadège? Les papillons. Ah, vous n'avez pas vu les papillons? C'est mignon, les papillons. Oui, c'est mignon. Alors, on va parler d'un insecte qui vole. On va parler de la... Ah oui, c'est pas la même que j'ai là. La question, c'est sur 100 françaises, combien êtes-vous à avoir peur des vaches? En fait, insectes volants. Nadège. Sur 100 françaises, combien êtes-vous à avoir peur des vaches? 35. Bien. 35 françaises ont peur des vaches. Céline, peur des vaches ou pas peur des vaches? Non. Non. Vous choisiriez plus ou moins? Je dirais plus. Vous diriez plus avoir peur des vaches? Mmh. Mais vous n'avez pas peur des vaches? Pas peur, moi. Bon, pas peur. Pas peur, moi. Ah, pas peur des vaches. Pas peur. Nadège, peur des vaches? Non. Eh bien, sur 100 françaises, il n'y en a que 5 qui ont peur des vaches, donc c'est moins égalité de Nadège. Ouh là 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 là. C'est donc la dernière question posée, la question en or. Dernière, toute dernière question. Combien de passagers furent transportés lors du premier vol en ballon? C'était en 1783 par les frères Montgolfier. Céline, combien était-il dans le ballon? 8. 8. Nadège, dans un ballon, ils étaient plus ou ils étaient moins? Moins. Moins. La réponse est 3, c'est moins, Nadège. Alors là, c'est excellent parce qu'il y avait 2-0 et vous repartez à 3-2. Nadège, tout ceci est très très bon sous les yeux de votre ami Nolwenn. Vous montez sur l'escalier final pour peut-être 100 000 francs aujourd'hui. Merci au sourire de Céline et bonne chance pour votre recherche d'emploi. Pour être arrivé jusqu'ici, bien sûr, un joli cadeau. Le voici. Pour planifier, classer et archiver, eh bien, pas de panique, voici un super agenda électronique. C'est bon. Merci à vous de votre sourire. Et nous retrouvons bien sûr Nadège sur l'escalier final. Jusque-là, ça se passe bien. Ah, qu'est-ce que vous faites comme métier dans le laboratoire? Je fais des contrôles bactériologiques. Contrôle bactériologique, c'est sérieux. Et les collègues sont sympas? Oui. Bien, et vous travaillez avec Nolwenn, non? Oui. C'est une collègue de travail. Elle dit, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Je vous offre bien sûr 1 an d'abonnement à notre partenaire presse TéléZ, qui propose le programme des 90 chaînes du câble et du satellite. Et d'où de suite 2500 francs. Et voici les Walloux. Et sous les yeux donc de Nolwenn, votre copine, nous montons sur la première marche où il y a la première question. Bonne chance, hein? Alors, in the Navy, la première question va nous parler du Charles de Gaulle et de leur marin. Un marin du Charles de Gaulle peut prendre combien de douches par jour au maximum? D'accord? Le porte-avions, hein, bien sûr, le Charles de Gaulle. Soit une douche, soit trois douches. Je vais dire trois. Vous allez dire trois, c'est par souci d'économie d'eau, hein, bien sûr, Bariton. Oui, malgré le fait que le porte-avions peut produire 500 tonnes d'eau dessalée par jour. Mais il y a quand même 2500 hommes à bord. 2500 hommes à bord. Et trois douches par jour au maximum, c'est la bonne réponse, oui. Bravo. Pour vos 5000 francs, ça commence très très bien. Marche suivante, question suivante. Un putois. Ça sent pas très bon, hein, le putois. Non, hein. Ça sent pas bon. Ça sent bon. Pourquoi ça sent pas bon, le putois, Marie-Don? Pourquoi y a... Ça sent pas bon, le putois. Oui, pourquoi? Parce qu'il a une glande anale qui projette un liquide nauséabond lorsqu'on l'embête. Ben, je vais pas vous embêter. Je ne suis pas un putois. Non. Je suis un blaireau. Oh. Mais c'est tout vous, ça. Vous nous faites rire. Pour la première fois. Alors, moi j'aime bien quand vous nous faites rire, alors Bariton, c'est l'essentiel. Un putois en moyenne a combien de petits par portée? Un putois a en moyenne combien de petits par portée? 3 ou 5 petits par portée? Je vais dire 5. Vous allez dire 5 petits par portée. Et la réponse est 5 petits par portée. Sympa, sympa. Jusque-là, jusque-là. 10 000 francs à la grande joie du public et à la mienne. Question suivante sur la marche suivante. Un pouce anglais est égal à combien de millimètres en France? 25 mm ou 35 mm? Un pouce anglais. 25. Vous diriez 25 mm. Vous répondez bien, aisément, facile, tranquille. Une précision avant la réponse. Le pouce, c'était la longueur du pouce, c'est ça? Non, c'est la largeur. Cela correspond à peu près à une largeur de pouce. D'accord. Inch en anglais. Inch. Inch. Et le pied, c'est a foot. A foot. A foot. Et le foot, il fait combien, le foot? Le foot, il fait 305 mm. Le foot. 305 mm de foot? Oui. Oh. Oh, yeah. Eh bien là, on n'en a pas rien à foutre. Parce que c'est la bonne réponse. 20 000 francs! Oh là 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 là! Et alors là... Alors là, je suis ravi parce que aujourd'hui, sur TF1, nous allons jouer pour 100 000 francs. Et là... La somme maximale aujourd'hui est en jeu avec une question. Vous connaissiez la chanson dans la vallée? Oui. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Oui. La Bretagne. Ah. En quelle année la Bretagne fut rattachée à la France? Première possibilité, 1289 pour 100 000 francs. Deuxième possibilité pour 100 000 francs, 1450. 1532 pour la troisième, 1637 pour la quatrième. Question qui n'est pas évidente. Dans un premier temps, il y a 100 000 francs aujourd'hui. Je vais dire 1532. Vous diriez 1532 dans un premier temps. 1532. Alors on demande au public, bien sûr, s'il est d'accord avec cette réponse. Il tape sur le 1 de la télécommande et s'il n'est pas d'accord, il tape sur le 2. Et je me retourne vers le barytonosaure qui nous dit... Qui vous dit 52% du public est d'accord? Ah ou 52. C'est pas évident. Ah oui, à 52, au prorata, c'est même pas évident du tout. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on change? Oh non, je vais garder. Vous allez garder? Je vais garder, oui. Donc nous validons 1532. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions en premier, Nadège? 1450. Vous hésitiez avec 1450? Oui. Y a-t-il 100 000 francs derrière 1450? Une autre case à dévoiler? Non, on va faire 1532. Vous allez faire 1532 oui. Et la réponse est... Ah oui! Excellent, 100 000 francs pour vous. Votre ami arrive. Somme maximale aujourd'hui. On va se ramener au restaurant. Descendre l'escalier qui vous a mené jusqu'à la plus haute somme aujourd'hui des 100 000 francs. Merci à vous de votre sourire, de votre gaieté et jovialité. Merci à vous tous, je vous souhaite un bon appétit, je vous dis au revoir. Merci, merci, au revoir, bon appétit et encore bravo, mille bravo pour ces 100 000 francs aujourd'hui. Remporté par Nadège, excellent. Alors bien sûr, vous pouvez jouer, vous le savez, il y a une seule question par jour, amis téléspectateurs, qui est la suivante. Combien de papes furent polonais? Que c'est facile. C'est par téléphone, c'est par Minitel ou c'est par le net. Bien sûr, 2 fois 50 000 francs à gagner pour vous. Alors n'hésitez pas à téléphoner. Bonne chance et à demain. Ciao.